monde. Aujourd'hui on se retrouve pour à nouveau une vidéo. Donc c'est une petite un petit glitch, une petite astuce, une petite information. Donc c'est pour avoir le buggy modé. Donc comme moi, donc le buggy modé, il a pas le capot. Donc on va se rendre à l'endroit, je vais vous faire voir. Donc buggy modé comme ça, pas de capot, il est vraiment beau. Donc, ça c'est mon buggy à moi. J'ai déjà tuné que je suis venu. Donc voilà, le buggy modé il se trouve là, là, il est comme ça, il a spawn là. Donc faut venir avec son buggy, on est ici là sur la, cet endroit sur la map. Donc faut venir avec son buggy, modé ou pas modé normalement. Donc si vous l'avez modé pour placer un ami ou quoi. Donc il est là, vous le prenez. Ah oui merde là, ça. Et vous prenez, vous allez le tuner. Donc on va tuner après pour faire voir un peu, enfin je vais voir ce qu'on peut tuner dessus. Donc le buggy, donc je vais voir, on va faire un tour pour voir si s'il spawn pas en normal pour faire voir un peu la différence. Donc le buggy, franchement je trouve que c'est un vraiment véhicule beau. Donc, voilà ça là, on voit les pédales et tout du joueur. Donc ce serait bien s'il spawn en normal, ça serait bien. Il faudrait bien qu'il spawn en normal. Bah voilà, suffisait de demander, parfait. Buggy normal, buggy modé. Donc on voit un peu la comparaison. Donc dans le normal on peut tuner, on peut changer la couleur de l'avant. Mais dans le buggy modé donc normalement plus. Donc vous pouvez comparer un peu. Les phares à l'avant pareil ils s'enlèvent. Bon j'en ai cassé deux mais bon voilà. Donc on va refaire un tour, normalement il va respawn normal. Il suffit d'aller là, hein, c'est pas très loin. Si jamais ça marche pas de premier coup, vous faites des allers-retours comme moi, normalement au bout d'une ou deux minutes, il devrait. Il change en fait, voilà, bah voilà. Comme ça, vous voyez, il change, c'est nickel, c'est parfait. Donc voilà, ok. J'ai pas oublié de freiner. Donc ce glitch il marche sur toutes les consoles. Donc voilà. On va voir le buggy. Donc je vais vous faire voir la première personne. Hein. Donc ça c'est. On voyait bien, c'est bien le mien. Hein. Ça c'est un autre. J'ai pas vu d'un ami. Voilà à quoi il ressemble l'intérieur. Voilà, moteur petit de moteur derrière. Donc on va conduire un peu et on va tuner. Allez, allez. Moi je mets pas de musique pour pouvoir éviter les droits d'auteur parce que YouTube ils sont chiants quand même. Donc, c'est une petite astuce. Hein. Donc on est en point 32 et tout. Donc il est proche dans le Santos et vous voulez vite le custom. Voilà. Donc voilà, on peut rentrer dedans tranquille. On peut tuner. On peut le vendre aussi, 7 000 $. Plus de 7 500 si vous voulez faire de l'argent. Voilà, correspond. Donc on peut tuner blindage, frein, moteur, voilà. On met des dispositifs, klaxon normal. On met de l'éclairage, on peut mettre de néon par contre. Peinture, bon bah là. Peinture, voilà, normalement c'est le capot, mais bon là il n'y en a pas. On peut pas changer les roues aussi. On peut juste mettre les pneus, voilà, apparemment c'est pneus même pas. Bon, on peut pas mettre apparemment des pneus, on peut juste mettre la couleur. Donc c'est juste vraiment, si vous voulez, c'est vraiment pour le modé, pour le buggy comme ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura aidé et que vous pourrez avoir maintenant vous balader dans un super véhicule rare. Parce que c'est quand même un buggy modé. Bon bah à plus pour un prochain glitch. Et bonne glitch.